La recette de la pastilla varie selon les différentes régions du Maghreb. Pigeon, caille ou encore poulet. Pour Anne Alassane, la pastilla du Sud-Ouest se prépare avec du canard. Pour réussir les pastillas de foie gras d'oie, commencez par faire cuire les châtaignes. Coupez le butternut ou le potiron et le faire revenir dans une poêle. Émincez les oignons et les faire compoter. Quand ils ont ramolli, y ajoutez le potiron, les épices et le poivre. Faire sauter le foie gras en morceaux pendant quelques secondes à feu vif. Ajoutez les châtaignes pelées et en petits morceaux dans le mélange oignon-potiron. Répartir le mélange sur des feuilles de filo empilées par deux ou trois dans des moules à tartelettes. Ajoutez le foie gras par-dessus. Refermez les feuilles de filo, collez à l'aide d'un jaune d'œuf et disposez sur une plaque allant au four. Enfournez pour 20 minutes à 210 degrés. Une fois les pastillas bien dorées, il ne reste plus qu'à les décorer de sucre glace et de cannelle. Sans oublier les pignons de pain. Alors bien sûr, pour cette recette, il faut 500 g de foie gras d'oie frais, des feuilles de filo, des oignons, de la courge butternut, des châtaignes, des pignons de pain, du 4 épices, de la cannelle, un jaune d'œuf, du sucre glace, du beurre, du sel et du poivre. Toutes les recettes d'Anne Alassane sont sur France 3.fr, émission Pêcher Gourmand. Bon appétit!